sanguinaire, plein de sang de croix, j'ai laissé mon neveu, il était bien content. C'est 9 mois de douleur. C'est 9 mois de douleur. Il faut actionner la vidéo. La personne qui te touche, tu me dis. Je suis capable. Assurez-moi la vidéo. Tu peux comme casser la porte là maintenant. Oui, on doit voir le corps de l'enfant. On doit voir le corps de l'enfant. Ils ont coupé la veine sur le cou de l'enfant. C'est une histoire de quoi? J'ai laissé l'enfant si bien portant hier. Tout à l'heure, j'ai appelé ma grand sœur, m'a dit que l'enfant est bien portant. C'est une histoire de quoi? Chaque jour, on dit au putain, j'ai dit quoi, putain, j'ai dit quoi? C'est une histoire de quoi? Cet enfant était bien portant, c'est une histoire de quoi? C'est une histoire de quoi? Cet enfant était bien portant. Oui. Vous faites souvent, le tout si vous avez affaire aux étons. Vous avez affaire aux étons, vous faites souvent. C'est une histoire de quoi? Faites l'examen, on sort les agents, faites l'examen. Pourquoi on éjecte l'enfant? Il faut négocier. Il fallait voir hier, pourquoi on éjecte l'enfant si on a tout le matériel, on achète les médicaments. Elles sont là, elles montent, elles descendent. On a tout donné. Les amis, après Douala, le scandale de l'hôpital de Douala où la jeune dame a finalement dit qu'elle n'avait pas de bébé dans son ventre, donc elle n'était pas enceinte, où le ministre a fait le déplacement, on a eu beaucoup de cas et ça continue comme ça. À l'hôpital central de Yaoundé, il y a un médecin qui a détourné un certain Bruno qui est venu pour une opération d'hernie et on l'a charcuté. Et ce monsieur est mort dans une clinique appelée Clinique Saint-Philippe du côté de l'entrée Simbok à Yaoundé. Et comme si, je vous ai dit dans une vidéo que dans ce pays, l'impunité règne. Personne n'a peur de quoi que ce soit. Et ces différents trafics continuent dans les centres hospitaliers du Cameroun. Génico Obstétrique, et c'est cet hôpital qui est célèbre aujourd'hui grâce à ce qui s'est passé, je vais dire à cause de ce qui s'est passé avec l'enfant de Vanessa Chanchou. Cet enfant volé dans cet hôpital et qui sera entre les mains d'une magistrate aujourd'hui. Rien n'a été fait, les amis. Rien, absolument rien n'a été fait pour retrouver cet enfant. Et ça continue comme ça. Voilà que aujourd'hui, on est en train de nous parler d'un autre scandale à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Un enfant qu'on a amené à l'hôpital. Cet enfant était malade et sa maman dit que l'enfant avait le palu. Et on a administré des traitements à cet enfant. Et c'est pour elle que l'enfant allait déjà bien. Et les parents voulaient sortir cet enfant de l'hôpital. Les soignants ont dit non, il faut laisser encore à l'observation. Mais les parents ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais bouf, on se rend compte que l'enfant meurt et les parents viennent regarder le corps de l'enfant. On constate qu'il y avait une entaille. Ils ont constaté une entaille qui part de la tête jusqu'au niveau de la gorge. C'était toujours le palu ou c'est toujours quoi? Et jusqu'à présent, où on parle, les amis, le ministre de la Santé publique n'a rien dit. Le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé n'a pas fait une sortie. On attend que cette famille commence à marcher dans la rue pour que le ministre va aller là-bas pour dire non, il n'y avait pas d'enfant. Parce que vous allez voir, si le ministre arrive dans cet hôpital aujourd'hui, on va vous expliquer que non, cet enfant n'est pas mort dans cet hôpital. Ou les parents là n'ont pas amené les enfants là-bas. Alors qu'on est en train de voir sur ce brancard cet enfant et avec cette entaille-là. Qu'est-ce s'est-il réellement passé? Pourquoi le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé reste silencieux devant un scandale terrible comme ça? Et vous avez écouté le discours de la maman, je ne veux pas reprendre. Mais c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. L'identitaire, on est dans ça aujourd'hui. Mais il y a un problème qui est réel. On doit nous expliquer. Je parle là du directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Il doit expliquer aux Camerounais, expliquer à ces familles-là, à cette famille, ce qui s'est réellement passé avec cet enfant qui est arrivé à l'hôpital avec son palu et qu'on a déjà soigné. Et qu'est-ce qui a tué cet enfant? Et pourquoi il y a cette entaille qui part de la tête jusqu'au niveau de la gorge? Qui a fait cette entaille? On doit expliquer aux gens.
Mais on n'est pas en sécurité. C'est-à-dire que si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, que vous n'êtes pas en sécurité, ça part. On est en train d'aller même où comme ça là? La Quintinie, Douala, l'hôpital général par-ci, l'hôpital central par-ci, gynéco-obstétrique, voilà. Si ce n'est pas un enfant qu'on a volé dans cet hôpital, c'est un enfant. Les erreurs médicales se multiplient. Je pense que les députés devraient voter une loi pour qu'on puisse amener ces gens-là à l'hôpital, dans les tribunaux, devant les tribunaux, pour qu'ils puissent payer. Parce qu'ailleurs, on ne rigole pas. De telles situations sont punies. On peut même licencier le directeur de cet hôpital. Il peut même perdre son travail. Hein? On peut lui donner ce qu'on appelle retraite anticipée. Pourquoi, devant ce scandale, ce directeur ne parle pas? Pourquoi, depuis 19 heures que ça s'est passé, 19 heures, le ministre de la Santé publique ne parle pas? Il attend seulement les scandales et les vidéos. Je vous ai montré ça, mes amis. Ça fait mal. J'ai vu beaucoup de personnes qui pleurent. Ça fait très mal parce que ça peut être ton enfant, ça peut être mon enfant. Et c'est ton petit frère qui est parti comme ça. What a world. What a wicked world. Thank you for watching. À très bientôt.